avons mis en place pour 8 pays de l'Union européenne des structures propres leur permettant de mieux absorber les moyens des fonds structurels et des fonds de cohésion. Nous avons mis en place sous l'égide du vice-président Dombrovskis un comité spécial composé de plusieurs commissaires pour venir en appui à la Grèce. Problème ultra difficile dont je m'occupe jour et nuit parce que j'aime beaucoup la Grèce et surtout les Grecs et surtout la partie faible de la société grecque qui souffre énormément des programmes d'ajustement qui ont dû être adoptés. Mais la Grèce peut bénéficier d'une somme importante, 35 milliards d'ici 2020, à condition de mettre en place les programmes afférents qui leur permettraient à nos amis grecs d'absorber ces moyens. Je voudrais que la croissance revienne en Grèce. Mais je voudrais aussi que le gouvernement grec et l'administration grecque fassent en sorte qu'ils puissent bénéficier des moyens qui leur sont réservés. Je n'accepterai plus jamais qu'on dise voilà, la Commission impose une cure d'austérité à la Grèce. Oui, c'est vrai, mais il y a aussi l'offre d'appuyer l'économie réelle grecque par l'apport de 35 milliards d'euros à condition que la Grèce devienne État sur cette dimension des choses et dispose d'une administration capable de faire en sorte